Bonjour. Ma présentation se fera principalement en français, avec quelques moments en anglais ainsi que des textes anglophones sur les images pour aider ceux qui ne sont pas bilingues. Ce projet explore l'interprétation des données analytiques en paramètres musicaux. Grâce à l'appui du Conseil des arts du Canada, j'ai reçu une bourse d'une durée de 2 ans et demi à l'automne 2017. Un des défis de ce projet était de créer des partitions musicales graphiques à partir de l'analyse de sons complexes. Une grande partie de cette recherche en notation musicale a pris place lors de ma résidence à Matralab, située à l'Université Concordia de Montréal. Matralab est dirigé par Sandeep Bhagwati, que je tiens à remercier pour son soutien. Et grâce à cette résidence, j'ai eu l'occasion de collaborer avec le designer Joseph Brown pour le développement de l'outil digital d'analyse et de notation musicale qu'on a nommé Ocular Scores. J'ai aussi reçu une résidence au Centre d'art et créativité de Banff, situé en Alberta. Jusqu'à maintenant, nous avons créé 3 versions de cet outil, chacune remplissant plusieurs fonctions spécifiques. La première version, la capacité de dessiner une image à partir de l'analyse. Cette image, qui capture le geste musical, peut être utilisée à l'intérieur d'une partition traditionnelle. On peut aussi se servir de cette image pour comparer la représentation d'un son complexe à un autre. La seconde version donne la capacité de dessiner des transcriptions d'une performance pour une interprétation future. Dans la troisième version, nous avons la possibilité de dessiner des images en temps réel et de manipuler ces images pour créer des partitions en direct qui peuvent être interprétées par un ou plusieurs instrumentistes. Il me semble y avoir un certain « preset of the mind », une certaine affinité intuitive dans le langage visuel qui est favorisée par les musiciens. Comme si certains éléments de la sémantique du langage graphique musical semblent se répéter dans le temps. Et c'est à partir de ce point de vue que j'ai voulu explorer la notation graphique après plus de 40 ans de composition, me servant uniquement de la notation traditionnelle avec du papier et un crayon. Depuis quelques années, je collabore avec des improvisateurs tout en créant des œuvres multimédia. C'est inspirant de travailler avec des musiciens aussi innovateurs, mais cela m'a provoqué à vouloir noter nos collaborations uniques de manière à ce que notre travail puisse être interprété par d'autres musiciens. Au départ, je voulais simplement trouver un moyen de dessiner des images, des sons complexes et d'intégrer ces images dans des partitions traditionnelles. C'est donc à partir de ce but très modeste que Joseph Brown et moi-même avons développé cet outil dont la portée nous étonne aujourd'hui. Ocular Scores a aussi été développé en collaboration avec des maîtres improvisateurs qui ont testé chaque prototype et nous ont fait part de leurs commentaires. Joseph et moi avons donc essayé de créer une représentation visuelle qui semblait familière et intuitive aux musiciens. Je voulais qu'on puisse répéter les images à partir de l'interprétation d'une analyse sonore. Notre processus de conception initiale fut d'articuler certains éléments essentiels de la notation musicale traditionnelle que nous voulions absolument garder afin de créer un rapport immédiat avec le langage visuel que nous allions créer. Dans Ocular Scores, des lignes noires sont dessinées sur une surface blanche, comme si un stylo dessinait une image. Cette image ici est une représentation de 5 courtes rafales de bruit de vent jouées par François Houle. Dans cette version 1, la première étape consiste à télécharger un fichier son préenregistré pour l'analyser. Les données analytiques sont produites à l'aide du package Max Mubu DIRCAM et de leur descripteur audio PipoYin pour extraire les informations de fréquence, d'amplitude et de périodicité du fichier sonore analysé. Les données sont ensuite envoyées à Touch Designer, un logiciel pour jeux vidéo en 3D, en se servant d'un réseau UDP local. Les données sont alors traduites en une représentation visuelle du son. Le temps est tracé sur l'axe X, donc de gauche à droite. Les données de fréquence sont mappées sur l'axe Y, de bas en haut, et l'amplitude est représentée par la taille de la forme dessinée. La périodicité, ou le bruit, est mappée à la rotation de la forme sur l'axe Z, qui crée une irrégularité visuelle.
La représentation visuelle est donc plus uniforme lorsque le son est plus périodique. Nous voyons ici l'interface utilisateur d'Ocular Scores version 1. Sur la gauche se trouvent les paramètres qui affectent la mise à l'échelle des données d'entrée, comment l'image apparaîtra spatialement. Sur la droite se trouvent les paramètres qui affectent le caractère de l'image et le repositionnement après la mise à l'échelle. Avec un seul ensemble de données, on peut produire plusieurs images distinctes. Le résultat est un croisement entre l'interprétation authentique des données et certaines décisions intuitives. En sauvegardant les pré-réglages, nous pouvons reproduire la même image avec le même son aussi souvent qu'on le désire. L'avantage de ce prototype est que nous avons de nombreuses façons d'interpréter un même geste musical en utilisant différents pré-réglages. Il est facile de créer une partition musicale avec une collection d'images. Il est aussi possible d'ajouter des annotations et des doigtés et de les charger dans d'autres logiciels de performance ou simplement d'imprimer les pages sur papier. Il est également possible d'utiliser ce prototype comme outil pédagogique pour pratiquer de nouveaux sons complexes ou pour imiter des sons complexes d'autres instruments afin d'élargir son vocabulaire. En d'autres mots, Ocular Scores pourrait être utilisé comme un instrument de feedback visuel. La première composition utilisant cette technologie s'appelle Drop. Ces images ont été créées à partir de l'analyse de fichiers sons de l'eau. Gouttelettes, vagues, bris de glace, sons sous l'eau. Les images que vous voyez sont chargées dans le logiciel Fourscore. Ce type de partition exige le même type d'engagement qu'une partition traditionnelle. Donc, le musicien s'engage à l'interprétation d'un code et à des gestes musicaux spécifiques. Comme vous avez pu le constater, la seconde version, qui était projetée sur le mur de gauche, nous donne la possibilité de dessiner en temps réel et d'utiliser une entrée en direct. Dans ce prototype, les données analytiques et les images sont produites à l'intérieur de Touch Designer. Un certain nombre de paramètres affectent la mise à l'échelle et le caractère de l'image, et ces paramètres peuvent être modifiés en temps réel pour affecter l'image au fur et à mesure de sa création. Nous avons des paramètres similaires à ceux de la version 1, mais nous avons plus de choix de forme pour représenter les sons, le menu en haut à gauche. Et nous pouvons changer de forme en temps réel au fur et à mesure que nous décidons de la meilleure façon de représenter le son joué. Dans ce prototype, l'enregistrement continu des images crée une longue partition qui peut être enregistrée et exportée sous forme de très longs JPEG. Nous pouvons importer cette longue partition dans d'autres logiciels de partition à défilement pour de futures performances, comme dans le Decibel Score. Cet outil peut être utilisé pour créer des partitions musicales ou pour documenter une performance. La longue partition peut également être utilisée comme une représentation visuelle d'une œuvre afin d'en analyser les éléments structurels généraux ou perceptibles. Ce que vous voyez sur l'image ici, dans la partie supérieure se trouve l'image qui se déroule sur une période d'environ 8 secondes. Et juste en dessous, la bande de gribouillis est l'enregistrement de la longue partition. Afin de mieux voir, la ligne du haut est le long score, qui dure environ 2 minutes 20 secondes, ce qui est présentement le maximum que l'on peut dessiner à la fois, puisque nous avons un nombre limité de pixels sur notre page qui est notre écran. La deuxième ligne est un zoom de la partition, de la longue partition précédente, qui dure environ 1 minute. La troisième ligne est une section encore plus courte et qui pourrait être importée dans une partition traditionnelle.
Voici un exemple de partition pour une œuvre multimédia intitulée « All caps, no space », tout en majuscules, sans espace. Une œuvre qui a fait une tournée canadienne en automne 2019. J'ai choisi quelques pages de la partition complète de 90 pages pour vous montrer la variété disponible dans le langage visuel. Cette partition est pour trois musiciens. Elle était chargée dans Fourscore sur des iPads coordonnées. Le dernier prototype est un outil de performance. Cette version est conçue pour que le compositeur interagisse avec la partition graphique dans un contexte de performance. Le compositeur crée donc cette partition dynamique à l'aide de filtres programmés à l'avance avec une série de pré-réglages et manipule la partition graphique en temps réel en choisissant certaines formes pour les gestes musicaux et en utilisant des retards, en changeant la tessiture du geste musical, en ajoutant de la couleur ou de la distorsion. Donc, dans cette version, nous avons les mêmes paramètres que dans la version 2. Nous avons maintenant différentes couleurs pour les formes. Le but n'est plus d'interpréter un son. Le but est maintenant de créer un environnement interactif de performance. Nous pouvons retarder le dessin de l'image en utilisant « delay » et nous pouvons utiliser une oscillation de basse fréquence, LFO, pour façonner le phrasé des gestes musicaux en supprimant périodiquement l'image entièrement en se servant de différents types de filtres tels que « sine wave » ou « square wave ». Dans cette version ici, nous avons deux entrées, deux musiciens live et deux sorties, deux partitions. Nous avons donc trois rangées de pré-réglages. La rangée du haut déclenche les deux rangées immédiatement en dessous. Dans cette version 3, 2 x 1, d'Ocular Score, on a deux musiciens, donc deux partitions autonomes, projetées sur un seul écran. Il est aussi possible d'avoir deux musiciens et deux espaces de projection distincts, comme vous le voyez sur cette image. La première œuvre que j'ai composée utilisant cette technologie se nomme Murmure. On a deux improvisateurs qui interprètent chacun la musique de l'autre en temps réel. Deux partitions graphiques, qui sont une interprétation visuelle de chaque improvisateur, sont projetées pour les interprètes et le public. Dans ce contexte, le musicien ne voit pas leur image, mais voit l'image créée et filtrée, manipulée par le compositeur de l'autre musicien. Les images de la partition sont créées en temps réel à partir de l'analyse de leur son improvisé. L'esthétique de l'œuvre est laissée à la discrétion des interprètes. Le compositeur contrôle la structure de l'œuvre en manipulant en direct le système de notation graphique, les formes, la densité de l'œuvre et tous les autres paramètres que je vous ai démontrés qui se déploient comme une improvisation collaborative et une interprétation engagée du code musical. Vous voyez ici une série d'images iconographiques créées à partir de la partition de Murmure. Ces images peuvent être reproduites à des moments précis de la pièce. Le titre Murmure a fait référence à l'extraordinaire liberté et coordination que démontre le vol des oiseaux. Dans notre cas, nous avons une immense liberté et une très grande coordination.
Il y a une autre façon de décrire la conception de cette œuvre. Laurie Friedman a déclaré que j'avais créé un véhicule en mouvement et que les musiciens conduisaient la voiture. Mais j'ai limité les routes qu'ils peuvent emprunter. Et pourtant, les musiciens sont les créateurs du paysage. Les partitions créées par Ocular Scores existent dans le domaine de l'interprétation. Mais comme je travaillais avec des improvisateurs, nous avons convenu que nous pouvions nous engager vers un code musical général, principalement parce que le langage que nous avions créé était basé sur des principes traditionnels ou était intuitif. Souvent, nous considérons la notation graphique comme étant une interprétation spontanée. Mais avec Ocular Scores, il est possible pour le musicien de s'engager à apprendre une partition, de s'engager dans son code et d'utiliser l'opportunité d'élargir le monde riche du bruit et des textures complexes. Voici un aperçu approximatif du code de Ocular Scores. La partition défile donc de droite à gauche, axe des X, de sorte que les musiciens peuvent lire de gauche à droite, comme c'est traditionnel. L'axe Y est la plage de fréquence. Lorsque l'image est grande et remplit presque tout l'écran ou la page, elle devient un environnement visuel et la plage de fréquence est laissée à la discrétion de l'interprète. Lorsque la forme est continue, elle inspire un événement musical lié, legato. Nous utilisons trois façons d'exprimer la nuance. La densité de la forme, transparence, et la taille des formes et de la couleur. Nous utilisons plusieurs formes. Nous avons conçu les différentes formes pour exprimer différentes textures. Par exemple, nous pensons aux formes plus nettes avec des bords définis, comme ayant plus d'attaque, un début plus percutant, comme un triangle par exemple. Nous utilisons trois couleurs, blanc, rouge et bleu. Le blanc est un format ouvert. Le rouge est pour exprimer plus de présence, une nuance plus forte, un son plus dense. Et le bleu est pour les textures plus douces et plus transparentes. Mon parcours traditionnel de compositrice me pousse à composer des œuvres que l'on peut répéter, donc des œuvres qui sont notées par un code. Lorsque je travaille avec des improvisateurs, je mets au défi les limites de leur pratique qui repose sur le principe fondamental de créer dans l'instant. Les improvisateurs excellent à explorer leur élan spontané en temps réel après avoir passé des années à développer leur propre lexique musical. Mon objectif en composant des œuvres comme ces structures vivantes pour improvisateurs, ce qui peut sembler une contradiction, est d'utiliser la notation d'Ocular Scores pour permettre aux improvisateurs de s'épanouir dans les éléments essentiels de leur spontanéité tout en créant des compositions musicales que l'on peut répéter. L'outil Ocular Scores est rempli de potentiel créatif. En tant que compositrice, l'esthétique musicale a toujours été une grande préoccupation. Et pourtant, avec Ocular Scores, j'ai découvert une dimension de la composition qui dépasse l'aspect de contrôle esthétique tout en composant des œuvres, des structures musicales qui peuvent être répétées. Les partitions produites par Ocular Scores peuvent être interprétées par les musiciens du monde entier. Des musiciens de jazz au koto japonais. Cet outil nous permet une plus grande démocratie d'accès à la notation musicale. Ma bourse de recherche s'est terminée en février 2020. Je cherche présentement les fonds pour produire la version 1 d'Ocular Scores en vue d'être distribuée. Cette version 1 crée des images fixes en vue d'être insérées dans des partitions musicales. Le but est que cette version numérique soit stable et autonome afin d'être distribuée à toutes sortes de musiciens et compositeurs, amateurs et professionnels. Ce sera aussi un outil académique d'apprentissage.